La grève au service 100 se répand. Depuis 8 jours, c'est à Namur que cette grève s'est installée. Elle fait tache d'huile. Ce qui pose problème, c'est la restructuration annoncée du service. Christophe Clément, Alain Ongardi. Le 100, pompier ambulance. 8e jour de grève à la centrale 100 de Namur. Les appels urgents continuent à être réceptionnés, mais les 30 agents refusent désormais de participer à la réorganisation totale de leur service. Le 100, pompier ambulance. Donc à l'avenir, lorsque le citoyen formera le 112, il arrivera vers un call-taker qui lui prendra l'intervention en fonction de l'urgence et du service concerné, police, pompier, ambulance, et le dispatchera au service concerné. Quel que soit le service de secours. Quel qu'il soit, en tenant compte bien sûr de l'urgence policière, pompier et ambulance. Une fusion des centrales qui implique un déménagement, mais aussi la création d'un nouveau statut. Aux yeux du personnel, l'avenir demeure flou, sans garantie, plus question de collaborer aux formations préparatoires. Bien, nous ne savons rien, donc on ne sait pas vers quel statut nous partons, nous ne savons pas sous quelle autorité, avec quels avantages, quels inconvénients, quel planning, quelle façon de travailler, etc. Parti de Namur, le mouvement s'étend à Liège et Mons. Il touche aussi Leuven, où particularité, les agents réclament une prime de bilinguisme. En guise de protestation, le service 100 du Brabant flamand refuse dorénavant de communiquer en français avec les pompiers francophones. Nous répercute l'information en néerlandais. Nos téléphonistes à nous ne sont pas censés être bilingues et donc ils reçoivent cette information. Ils ont peur de ne pas comprendre le numéro correctement, par exemple de la rue, ou ne pas comprendre le besoin de la victime et de ne pas envoyer le secours adéquat. Certains appels radio lancés en français par les pompiers de Braine-l'Alleud resteraient également sans réponse. À Namur et Liège, c'est une grève au finish qui est entamée, mais l'envoi des ambulances continue à se faire normalement.